Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans l'épopée d'un noob, nous allons tester la démo de Virginia. Alors, je ne connais pas ce jeu, je n'ai jamais vu ni un seul extrait, ni même une capture d'écran, ni rien. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, on est au tout début là, et. Ouh, mais ça se présente comme 13! Vous savez, les jeux qui étaient tirés des films? Bah oui, ça se présente vraiment comme 13, donc on doit montrer son papier du FBI, puisque nous sommes un agent du FBI apparemment. Oui, le point blanc, ça me rappelle moi 13, hein, même les graphismes. Je ne sais pas qui a développé ce jeu ni quoi, mais ça a l'air intéressant. Alors on peut voir qu'il y a un shérif, on peut voir aussi qu'il y a. Tikito. Un policier. Et l'autre, elle est en train de parler à une personne en pleurs. Peut-être que leur enfant est disparu, quelque chose comme ça. Mais je suis censé faire quoi là? Donnez-moi des objectifs, dites-moi quoi faire! Je sais pas. Je suis perdu. Ah, je déteste ça, les jeux qui te font avancer comme ça à l'arrache. Y a plein de jeux comme ça qui te font spawner et tu ne sais pas quoi faire. Oh, une Bible! J'ai cru que c'était un Death Note de loin. Vous imaginez, putain, la mère qu'a. Enfin, ouais, non, je pense que c'est plutôt la chambre des gosses, hein, parce que si les parents dorment dans les lits séparés, les pauvres, hein. Enfin, t'imagines la personne qui a un Death Note à côté de son lit, c'est flippant quand même. Ils ont pas lui. Putain, on peut rien faire en fait. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Alors, il y a un couteau, attention, c'est peut-être. On sait même pas ce qui se passe, on sait même pas pourquoi l'autre elle chiale. D'ailleurs, on remarquera au niveau de l'Xbox que le père n'en a rien à foutre. Hein. La mère elle chiale toujours pareil, hein. Voilà, c'était tu. Voilà, mais pour le reste, pas grand chose. Bon, ben on va avancer. Hein. Oh, une baignoire! Est-ce qu'on peut prendre un bain? Histoire de se laver avant d'aller interroger les personnes. Ah, il y a du PQ! Ils ont fait le PQ. Est-ce que je peux m'asseoir sur les toilettes? Non, je ne peux pas m'asseoir sur les toilettes, d'accord. Ah, la chambre de Lucas. Évidemment, ce qui est très bien, c'est de savoir qui est Lucas. Alors, en même temps, il a une croix au-dessus de son lit, le gosse, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a disparu. Enfin, si, il a disparu, on ne sait même pas ce qui se passe, comme dit. Mais je ne sais pas quel gosse dans ce monde a une croix au-dessus de ton lit, mais c'est flippant. À part les Flanders, peut-être dans les Simpsons, mais sinon. Alors, on doit regarder les habits, c'est ça? On est un peu un gros pervers, je pense, hein, dans ce jeu. Ah, donc c'est pour se cacher dans l'armoire, c'est ça? Non, je ne pense pas, je dis de la merde. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le bureau d'intéressant? Ah non, évidemment que dalle. Qui voulait qu'il y ait d'intéressant dans le bureau? Même sa poubelle, elle est vide, mais c'est quoi ce gars? Oh, t'es quitte! Pourquoi tu me suis? Mais il est sérieux celui-là, mais il va crever! On va peut-être pas aller au fond du couloir, on va d'abord aller voir si on peut interagir avec les personnes. Parce que je trouve ça un peu bizarre qu'on soit vraiment spawné ici, il n'y a aucune parole pour l'instant ni rien. Il y a juste des personnes en uniforme et on peut parler à personne, on ne peut rien faire. Déjà, on peut pas se parer. C'est dommage. J'aurais bien voulu partir. Rentrer chez moi, je veux dire. C'est une base. Alors, est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Même pas à ma collègue, qui d'ailleurs est en train de parler, mais sans sa voix. Hein. Elle fait juste des mouvements de lèvres. Toi, par contre, t'es roux. C'est normal que t'as perdu ton gosse. Oui, j'imagine par rapport à tout ce qu'on a vu que leur gosse a disparu. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que c'est une caméra? Non, ce sont des lampes. D'accord, excusez-moi. Oui, attends, le père est roux. Et il y a des cadres photos sans photos. Waouh. Mais quelle belle famille. C'est quoi cette lampe? Sérieusement. Bon, je vais pas critiquer les graphismes du jeu, mais je pourrais. Hein. On a vraiment pas d'objectif en fait, on a rien à faire. Ce jeu est vide. Du coup, moi, je vais essayer de sauter par la fenêtre. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi sauter. Bon, je pense qu'il y a un truc à faire avec l'armoire, parce qu'avant, on a dû bouger les vêtements et quelque chose comme ça, là, donc... Il doit y avoir un rapport, genre, on doit fouiller les vêtements, un truc comme ça. Déjà, contrôle de ce jeu, il n'y en a pas, hein. Le seul bouton qu'on a, c'est les joysticks. Pour se déplacer et tourner, voilà. Est-ce qu'on doit lui parler à lui, ou quelque chose comme ça? Je vous jure que je déteste ces jeux où on ne sait pas quoi faire. Merde! Là, est-ce que je peux prendre le truc qui est sur la table? C'est quoi? C'est une putain de télécommande quoi. On dirait les télécommandes Lego. Bah tiens, on a quand même de la musique. Je sais pas quelle musique serait bien pour une personne en deuil. Enfin en deuil, pour une personne qui pleure. Patrick Sébastien? On va mettre du Patrick Sébastien, frère. D'accord? Ouais, il a pas l'air contre. Arrête de bouger ta main comme ça, toi, tu fais peur. Mais non, mais sérieusement, je suis censé faire quoi là? Peut-être qu'il me donne des objectifs? Mais que dalle, hein? Que dalle, que dalle!
Génial. Ah, peut-être sur la table. Bah tiens, d'ailleurs, je peux décaler les chaises apparemment, non? Ah non, d'accord, c'est le chemin qui rentrait dans la chaise. Est-ce que je peux sortir par la fenêtre alors, s'il vous plaît? Laissez-moi m'en sortir, faites quelque chose. Soyez pas pute. Non, mais il faut faire quoi dans ce jeu? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais putain, mais il n'y a même pas de synopsis, y a rien, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. On arrive dans ce jeu, dans une famille qui n'a ni photo, qui a trois cadres avec la même photo exactement. Ah non, d'accord, c'est un long paysage, autant pour moi. Et ça, dans les photos, il n'y a rien, les cadres photos sont vides. Et ce jeu l'est aussi, complètement vide. Bordel, qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi un indice, au moins, je sais pas. Toi, pourquoi tu me suis là? Tu mets une pipe, c'est ça? Ça fera 5 euros. Ah bah vas-y, hein, ça fait 5 euros. Hein. Je changerai pas d'idée. Ok, salut. Est-ce que je peux m'enfermer dans la chambre du gosse là? Est-ce qu'il y a... Putain, mais je ne sais même pas ce qu'il faut. Oh, il y a un cartable par terre. Et donc les parents ne se sont inquiétés de rien. Hein. Je veux dire, il y a... Les gosses sont censés être à l'école, j'imagine. Hein. Il y a le cartable par terre, mais non, je sais pas. Non, il est allé à l'école, il a juste oublié le cartable. Et je suis une mère si gentille que je ne lui ai pas ramené, attendez. Ah! Il y a un double fond, d'accord. Il était peut-être temps qu'on le remarque. Hein. Putain. Mais ce gosse est flippant en fait. Hein. Ah, enfin de vraies photos. Génial. Nous avons enfin de vraies photos. Et qu'est-ce que c'est? Alors là, on voit l'enfant avec sa mère, j'imagine. Là, c'est une. C'est un. Une citerne d'eau. D'accord. Là c'est juste flippant parce qu'on voit un policier avec quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Putain mais c'est quoi ce gosse? Sérieusement. Mais tu fais quoi dans la vie? Un des là par terre, y a quoi? Alors on a un casque, une guitare. Un Death Note avec marqué Lucas dessus. J'imagine que c'est son journal intime. Mais tu fais quoi juste avec le bouquin? Je sais pas, lis-le, fais quelque chose. Oh, une cinématique. Admirer. Ah, toujours pas de parole. Putain, un bœuf au milieu de la route. Sérieusement, un taureau qui traverse la route comme ça. Mais elle habite où cette famille au juste qu'on me dise parce que là, excusez-moi, mais de par chez moi, je vois rarement un taureau traverser la route. Et pourquoi? Ah, donc en fait là, je suis le personnage. D'accord, on rentre à la maison. J'ai juste trouvé un bouquin, on rentre à la maison. Et elle parle toujours pas. Ok, d'accord. Oh. Une station essence. Mais ce jeu a l'air si palpitant. C'est dingue. Oui, on va mettre de l'essence. Est-ce que je peux mettre le feu à la voiture? Putain, la confiance, carrément, elle prend les clés avec elle, quoi. Ok, bah laisse-moi enfermer, hein, je dirais rien. Est-ce que je peux sortir, moi, de la bagnole ou je suis obligé de t'attendre, sale pute? Ah, je peux regarder. Ce qui ne sert absolument à rien, d'accord. D'accord, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Est-ce que je peux regarder chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de mon côté? Oh, attention! On va pouvoir commander à bouffer. Ça, c'est bien, ça. Moi, j'aime bien. Ah non, c'est un ticket! D'accord. Alors, est-ce que c'est un... Je ne sais pas ce que c'est. On va reposer ça, parce que ça ne sert un peu à rien. T'es sérieux que tu le prends avec toi? Mais frère, c'est pas à toi, hein! C'est à la demoiselle qui est partie faire l'essence, hein! T'es au courant? En fait, on doit fouiller sa voiture. Ah, génial. La confiance. Ah, une lettre de Marie Alperin. Maria Alperin. Et Maria Ortega. Pourquoi il n'y a que des Maria? Ou plutôt, est-ce que les Maria sont exactement la même personne? Attention. Oula, il y a une voiture qui vient d'arriver derrière, je suis pas. Oh, salut frère. Ça va? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Salut. Pourquoi tu me fais un doigt? Mais nique ta mère! Mais t'es sérieux là? Putain, on dirait moi. Allez, on reprend la roue. Ouh, la transition de malade! Ah, génial. Pourquoi tu me regardes bizarre là? C'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, je vais te regarder, t'inquiète pas. Ah, c'est un dossier de toi. Faut que tu me dises pourquoi t'as un dossier de toi dans la voiture. T'es pas rassurante comme fille. Alors, ce jeu n'a ni parole, ni histoire, ni rien pour l'instant. Hein. Juste mardi. Alors que le reste du jeu était en anglais. Donc là, je suis sur un livre, je suis un garçon. D'accord. Alors là, enfin, un garçon ou une fille, hein, parce que vu les ongles, c'est une fille.
On a un drapeau, pas un drapeau. On a une affiche missing. On a quoi? Ah, on peut prendre le journal, d'accord. On va lire le journal alors. Allez, go. Canon d'observatory. Qu'est-ce que c'est? Ouais, enfin, en fait, c'est juste un marque-page, hein. Pas tout. Oh putain, mais ce gosse est flippant, il fait des dessins bizarres, hein. D'accord, c'est une grotte à côté d'une usine, je vois. Ça sert à rien de faire un zoom dessus, je vois pas où c'est. Ah, t'es comme ça, toi, tu t'endors. Est-ce qu'on est quelqu'un là? Ah, d'accord. Et pour. Qu'est-ce que tu fous dans la même chambre qu'elle? T'es sérieux? Mais c'est une grand-mère! Qu'est-ce que tu fous dans la chambre de ta grand-mère? Elle est morte en lisant le livre ou comment ça se passe? Bon, je vois, on va de nouveau devoir galérer. Ça change de d'habitude. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah, ça sert pas à grand-chose d'aller dans l'armoire. D'accord, donc je pense qu'il va falloir sortir de la pièce. Je regarde juste si on peut récupérer quelque chose avant de partir. Même pas, genre juste on se casse. Et encore une fois, il n'y a aucune voix, aucun bruit, il n'y a rien. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? T'es qui toi? Non mais ils sont sérieux là, ils commandent à bouffer. Mais les gars, vous pourriez bouger votre cul quand même, vous abusez. Alors là, il y a un gamin par terre. C'est pas le gamin de avant, toi? Là, il y a une dame, voilà, qui est en train de fumer. Qui est en train de fumer. Oh, ça va, la fumée est bien faite, la cigarette est bien faite. Bon, c'est toujours très cubique, mais c'est un jeu, hein. Par contre, je trouve ça marrant que le truc brille toujours, même quand elle fume pas. Et aussi que la cendre ne part pas. Ça, c'est intéressant. Alors, toi, bon, toi, tu bois un café, vas-y, bois ton café, y'a pas de chien. Mais il est passé où le roux avant? Pourquoi y'a plus de roux? Là, on voit un blond, mais. Moi, je cherche le gars qui est roux là. Ah, il est en train. D'accord, il est en train de clôturer la chambre. Toi, tu pleures devant un couteau, t'es normal, t'as coupé des oignons. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, la vaisselle, c'est pas ça, les gars, vous abusez, hein. Vous recevez du monde quand même. Surtout les flics, quoi, merde. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il faut récupérer un truc dans la chambre des parents cette fois? Parce que de toute façon, faut pas arriver à la chambre du gosse, on pourra pas y aller. Et l'autre qui est en train de taper dessus. Putain, mais y'a des billets. Eh, mais cette maison. Je sais pas, y a peut-être un problème par rapport à la Bible, non? Pourquoi foutez-vous des billes partout? Oh, mais tiens, je peux aller au. Je peux aller dans la salle au fond. Pourquoi t'es en train de clouer la chambre à Lucas? T'es con ou quoi, frère? Ça se voit que t'es roux, toi. Hop, oula. Bienvenue en enfer! Est-ce qu'il y aura des putes? Même pas, juste la voiture. D'accord. Eh, les transitions dans ce jeu sont sublimes, hein. Et maintenant, il y a un vieux qui fume en voiture. Génial. Grosse ambiance. C'est qui ce vieux? Et en plus, on dirait qu'il parle. Ah, bah voilà, on va écraser un gosse. Génial. Donc ça, c'est son passé ou comment ça se passe? Faudrait qu'on m'explique où on est là, parce que... juste avant, on s'est retrouvé au même endroit, on s'est endormi. Sauf qu'avant on pouvait toucher les trucs, là on peut plus rien faire. Là on est juste bloqué. On peut plus prendre le livre, on peut plus rien faire quoi, c'est la dèche. Est-ce que je vais me lever du lit? Non, oh putain. Eh, ce jeu, sérieusement. Avec une histoire, c'est peut-être plus simple de d'accorder les choses, hein, mais là on n'a rien du tout. On ne sait pas où nous sommes, on ne sait pas qui nous sommes, qu'est-ce qui se passe en fait. Là j'imagine qu'on arrive au commissariat. Ah, quelqu'un qui rattrape la porte. Eh, salut! Ça va? Tu pourrais dire bonjour, hein. Moi je vais le dire à Valt sinon. Il va pas être content le mec. Ok, transition de malade. Ouais, par contre on va peut-être peut-être pas durer éternellement sur cette vidéo parce que c'est pas génial. Et puis le temps défile, le temps défile. Oh là là là, génial. Oh, un bureau. Maria Arle Alperin. Ah, bah c'est la personne qui avait une lettre avant. Question d'affaire. Je sais que j'ai vu le bouton. Ah, on doit récupérer le médaillon. D'accord. Mais quel enquêteur. Sherlock Holmes est parmi nous. Bah vas-y, prends-le ton médaillon. Mais c'est qui ça? Salut! C'est pas ce que tu crois, ok? C'est fallait que je trouve le médaillon, je crois que c'était le mien. Du coup, j'ai regardé l'image. Mais si, mais non, mais pars pas comme ça, mais. Bah, je suis désolé, je crois que c'était le mien, j'ai le même à la maison. Oui, il y a la même photo aussi, c'est pour ça. Ok, je pense que j'ai compris, je me casse. Bah non, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, tu as tout m'expliquer. Moi, je vais prendre un café, voilà. Moi, j'ai pas pris le café. Je vais m'asseoir. Tu sais quoi, même pas, je vais rester debout carrément. Ok, je vais rester debout et je vais t'écouter, vas-y, parle. Ah, il sera le pute. Même pas, tu réponds.
Ah, t'inquiète pas, on va se revoir, on va se revoir. Je vais défoncer la tête. Allez, salut. Allez, ciao. Ah, pardon. Non, mais excuse-moi, j'ai cru que c'était par là, du coup. Vas-y, frappe. Non, frappe, je t'ai dit. Mais tu fais quoi là? Pourquoi tu me regardes comme ça? Attends. On va aller voir si le jeu est bien fait. Ah non, elle ne bouge pas la tête, j'ai l'impression, hein. Non, salut. Faut que j'arrête d'être con. Ok, transition de malade une fois encore. Et là, nous sommes dans... Oh, jolie voiture. Ah, mais c'est la même qu'avant, c'est juste qu'il fait jour. Et nous sommes dans une forêt. Eh, c'est la grotte du dessin, ça. Non? D'accord. Alors, est-ce que je peux savoir pourquoi c'est toujours moi qui est derrière? Mais attends-moi, sale pute! On est censé être en équipe, on n'est pas dans Scooby-Doo. Là, il n'y a pas de on se sépare, on verra. Oh, on dirait un visage. Ou une bite. Voilà, là, il y a la bite, là, il y a le visage. Et là, il y a un œil. Et genre, là, c'est la bite. Mais enfin, là, du coup, ça marche plus, faut la regarder de profil comme ça. Regardez. Parce qu'après, du coup, il n'y a plus de deuxième trou. Du coup, on peut pas savoir si c'est vraiment un visage. Alors, on tourne dans une grotte sombre. Non, là, par contre, il n'y a aucune anaphore sexuelle. Rien du tout, hein. Oh, je peux prendre une casquette. Maintenant, faut que je trouve mes Pokéballs. Vas-y, fais pas le con. Ah, il a envie la casquette. D'accord. Voilà, maintenant, faut qu'on trouve des Pokéballs. Histoire de partir à l'aventure pour devenir le meilleur dresseur. Salut, moi c'est Sacha. Ça va bien? Qui tu regardes? Ok, ça me siffle et tout. C'est flippant, hein. Les parents de Batman, ils sont morts comme ça. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dégagé les trucs. Waouh, grosse ambiance. Putain, on va devoir tous les dégager un par un là. Ah non, faut comprendre le petit truc qui fait du bruit là. Mais ouvre pas ça, t'es malade, tu le connais même pas, ça se trouve, il a la gale le truc. Mais je te jure, ces gens. Quoi, donne-le-moi, non? D'abord, tu me donnes ton pendentif là. Vas-y, canard. Ah! Le ciel nous tombe sur la tête! Ah, ce que je vois. Oh, bah elle est morte. Le ciel lui est tombé sur le dos. Toi, t'as pas de chance, hein. Toi, t'as vraiment pas de chance. Le 22 septembre 2016. Bah, c'est déjà passé, hein. Et donc, ce jeu est sorti. Un art pictural impressionnant ancré dans la magie d'un petit village américain au cœur de la campagne de Virginie. Une aventure. Ah, donc c'est en Virginie. Ce qui n'explique pas pourquoi il y a des taureaux qui traversent la route. Mais bon. Une aventure onirique d'une émotion intense et peuplée d'une sélection incroyable de personnages étranges. Donc une aventure dans les rêves, ça explique pourquoi il y a si peu de transition. Enfin non, tellement de transition mais si peu bien réalisée. Une émotion intense peuplée d'une sélection incroyable de personnages étranges. Oui, ça étrange, je confirme. Ça n'explique toujours pas pourquoi les gens ne parlent pas. Hein. Un récit original et noir d'enquête selon la tradition de Twin Peaks, Fargo et True Detective. Intéressant. Un montage cinématographique qui plonge les joueurs dans un récit nacré, dans le style d'un film de la télé. Tu te fous de ma gueule? Les graphismes sont dégueulasses, les transitions c'est pareil. Et le montage, on va même pas en parler, hein, c'est pire. 505 games. Oui, j'ai la flemme de le dire en anglais. Ça donnerait 505 games. Ce qui est très moche. Et bien voilà, nous avons terminé notre voyage. Je vous remercie d'avoir choisi notre compagnie Airbnb. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.